Et maintenant, un bon podcast. Maintenant, un bon podcast. Bien, bonjour à toutes et tous, je suis au salon Le Monde du Jeu et j'ai le plaisir de rencontrer Olivier Chanry, qui est le directeur du développement de la société d'édition Asynchrone. Alors, faisons-la comme si je ne connaissais pas du tout Asynchrone. Et donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Asynchrone, on a trois activités en vérité. On a l'activité d'édition de jeux de société, Asynchrone classique. On a aussi l'activité de produire et d'éditer des jeux online, dits web-based. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des jeux qui se jouent uniquement à l'aide d'un navigateur Explorer ou Firefox et du lecteur Flash. Il n'y a rien qui se charge. Donc, on a un jeu qui s'appelle Comptes et Conquêtes en bêta test. Et puis enfin, on a une activité Asynchrone Studio où là, on développe des casual games pour le compte de sociétés comme Bounty qui en fait possède un portail qui s'appelle café.com. Et donc, il y a plein de jeux, les Dames Ginoises revues et corrigées, les Petits Chevaux revues et corrigées, enfin plein de jeux de ce type-là, quoi. Et donc, justement, Asynchrone est né à travers quel chemin parmi ces trois-là? En fait, mon père m'a offert mon premier wargame, j'avais 11 ans. Donc j'en ai un peu plus là actuellement. Donc en fait, j'ai toujours été immergé dans le monde du jeu, j'ai fait à peu près tout ce qui se passe dans le monde du jeu, murder, paintball, grandeur nature, jeux de société, reconstitution historique, etc. etc. Et donc à force d'être spectateur, à un moment donné, j'avais eu envie d'être acteur. Et en vérité, moi j'ai créé ma société il y a 4 ans, qui est une société qui fait, c'est une sorte de web agency en fait. Et on a commencé par le online, le jeu online. Et puis petit à petit, on a commencé à éditer un jeu, en l'occurrence les 7 blasons. Et puis là, on en est à 4 jeux édités. Et voilà. Et donc parmi les 4 jeux édités, typés jeux de société, on peut citer quoi? Donc les 7 blasons, clairement, et puis les autres? Voilà, donc les 7 blasons, qui est un jeu de pli et de contre. Versus, qui est un jeu abstrait de réflexion, dont on a une série limitée. 300 exemplaires. Et puis là, deux nouveautés, Bobby Sitter, qui est un jeu d'observation et de rapidité, et puis Families, qui est un jeu en fait de défausse, c'est-à-dire qu'on doit constituer une famille, et pour constituer une famille, on doit récupérer un maximum de cartes pour trouver les bonnes personnes manquantes de la famille, et pour récupérer ces cartes, il faut s'en défausser d'autres, et pour s'en défausser, il faut faire des combinaisons, soit de lettres, de mots, soit de couleurs, de formes, voilà. Ok, chaque éditeur a sa ligne éditoriale, on va dire. Quelle est la ligne que vous avez choisie sur Asynchrone? Alors, notre ligne éditoriale, c'est de ne pas avoir de ligne éditoriale, puisque en fait, on a une activité qui se développe correctement sur la partie studio et la partie classique. On a envie de se faire plaisir, tout en conservant évidemment et en appliquant des règles. Il ne s'agit pas de perdre de l'argent, mais quand même d'en gagner, d'être rentable, bien évidemment. Mais on se fait plaisir. Et donc, en gros, pour qu'un jeu rentre dans une phase de développement chez nous, il faut que chacun des trois associés d'Asynchrone ait eu le coup de cœur pour ce jeu-là. Et donc, là on le voit bien, hein, entre Versus qui est un jeu abstrait, Bobby Sitter qui s'adresse aux plus jeunes à partir de 5 ans, 7 Blasons qui est un jeu un peu sophistiqué, et puis Families, on a vraiment, on touche un peu à tout, quoi. Et donc justement, le jeu des 7 Blasons, c'est le premier jeu que vous avez fait. Comment est-ce que ce jeu s'est présenté à vous? C'est lors du Flip Festival de Parthenay de 2006 que j'ai rencontré l'auteur, Michel Pinon, qui en fait concourait pour un concours de créateurs de jeux. Et en fait, j'ai vu les 7 blasons. Et d'ailleurs, je crois me souvenir, il faudrait vérifier avec lui, mais qu'à l'époque, il ne s'appelait même pas les 7 blasons. Enfin bref, toujours est-il que j'ai vu ce prototype qui ressemblait à pas grand-chose, sauf que la mécanique était vraiment intéressante. Et donc, c'est suite à cette rencontre qu'on a décidé de faire ce premier jeu. Et donc, ça veut dire que vous sentiez le fait qu'il y avait un public pour ce jeu-là, ou que ça passait, je vais dire, simplement, sans être réducteur, par le fait que le jeu vous plaisait d'abord? Le jeu me plaisait parce que la mécanique était assez originale. Et en fait, on a fait une grosse erreur en faisant ce premier jeu, parce que il a le cul entre deux chaises, ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est un jeu de pli, un peu comme la belote ou le tarot, mais à côté de ça, c'est un jeu où les cartes ont des pouvoirs. Et c'est grâce à ces pouvoirs qu'on va pouvoir rendre le jeu tactique. Donc du coup, il ne rentre pas dans une case. Donc du coup, c'est un jeu qu'on aurait dû faire que quand Asynchrone aurait commencé à avoir une petite réputation
une petite renommée de manière à pouvoir l'imposer, de manière à créer une case. Et on n'aurait jamais dû le faire en premier. Voilà, bon, on a appris, ce qui fait que le travail qu'on a fait sur ce jeu-là va porter ses fruits dans 2 ou 3 ans. Mais en termes de développement, c'est une connerie, enfin c'est une bêtise. En fait, s'il fallait refaire le cours des choses, clairement, il aurait fallu qu'on lance en premier Bobby Sitter. C'était parfait. Bon, le fait est que l'essai de Bazon est sorti, que malgré tout, il a une très bonne cote. Hein, sur toutes les critiques qu'on a, les notes, c'est quand même un très bon jeu. Il a eu le prix spécial du jury de Saint-Herblain, décerné uniquement par le jury qui l'a considéré vraiment comme un jeu très intéressant au niveau de la mécanique. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ce qui s'est passé, c'est que la première partie qu'ils font, ils sont un peu sceptiques, mais ils sentent qu'il y a un truc. Ils font une deuxième partie parce qu'il faut avouer qu'on a fait 2 grosses erreurs. La première, c'est que le packaging n'est pas engageant, on va dire ça comme ça. Et la deuxième, c'est que les règles sont complètement à revoir parce qu'on les a mal faites. Donc, comme ils n'avaient que les règles, personne pour leur expliquer, la première partie un peu difficile, mais ils y reviennent. La deuxième partie, ils commencent à comprendre le truc. Et en fait, après, ils ont vraiment accroché au jeu. Donc, le truc, c'est que il faut que ce jeu-là soit expliqué pour que les gens accrochent. Et une fois qu'ils ont accroché, ils se rendent compte à quel point la mécanique est vraiment assez fine, quoi. Le fait que le packaging soit pas engageant, le fait que les règles n'étaient pas peut-être suffisamment détaillées, c'est ça qui vous a fait vous rendre compte qu'on n'aurait pas dû commencer par ça ? Non. Ça, c'est des choses à ne pas faire, quoi qu'il arrive. De toutes les manières. Ce sont 2 erreurs de jeunesse, c'était notre premier jeu, quoi. Non, c'est avec le recul. C'est clair que si au même moment j'avais eu un set blason et un Bobby Sitter, il aurait peut-être mieux fallu commencer par Bobby Sitter, c'est tout. Est-ce que Bobby Sitter est arrivé parce que vous avez fait les 7 blasons ? Non, en fait, l'histoire est un peu compliquée, mais grosso modo, le projet était chez un éditeur depuis 2 ans. L'éditeur ne bougeait pas et j'ai repris le. Enfin, j'étais au courant de l'histoire et j'ai repris le projet en fait parce que l'éditeur ne bougeait pas, quoi. Bah, en tout cas, le public a l'air ouvert au jeu puisqu'on en parle pas mal, quoi. Bien, et bien voilà, donc on passe à une autre table et je suis en face de Franck Saveris qui est qui fait partie de la société Asynchron mais qui est aussi le créateur du jeu Familiz. Bonjour Franck. Bonjour. Bien, je suis ravi, je suis devant le jeu. Alors allons-y, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Alors c'est une revisite complète d'un jeu de famille avec des techniques en fait relativement simples mais très amusantes en fait, un jeu vraiment familial. D'où le nom. Voilà. Alors je vous explique un peu la règle en quelques mots. En fait, c'est le but du jeu, c'est de construire une famille sur la table face visible, une seule famille de 9 personnages, 3 enfants, 2 parents, 4 grands-parents, dans une des 4 couleurs, le bleu, le jaune, le rouge et le vert. Pour y arriver, en fait, on va recevoir des cartes. Et grande particularité du jeu, c'est que en fonction des cartes qu'on a en main, en fait, on va poser la famille, on va choisir une famille qu'on va poser sur la table. Et avec le reste des cartes, on va essayer de s'en débarrasser pour pouvoir faire des bonnes pioches. Et pour s'en débarrasser, sur chaque carte, on a une lettre, un chiffre et une forme. En fonction des cartes en main, on va faire des suites, donc soit des suites de chiffres, soit des suites de formes, soit des mots avec les lettres, pour pouvoir se débarrasser de ces cartes et repiocher. Voilà. Donc c'est une technique de défausse. On retrouve un petit peu d'éléments qu'on a pu retrouver dans d'autres jeux. Hein. Je ne vais pas les citer, mais voilà. Mais en tout cas, la technique fonctionne très bien. Et on a entre deux des petites cartes sympathiques qui permettent d'aller prendre des cartes dans le jeu des autres. La carte voisin, la carte vision. Et tu as dit qu'on pioche des cartes dans le paquet et qu'on va piquer des cartes chez les voisins pour essayer de faire des suites de formes, de chiffres et de lettres. Et donc le but, c'est de compléter sa famille, se poser sur la table. Alors on peut feinter, il y a pas mal de petites choses qui permettent de troubler un petit peu les adversaires. Mais c'est un jeu qui est très convivial et qui est vraiment très accessible. Et on l'a voulu comme ça justement pour la famille. C'est un jeu pour combien de joueurs ? On peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Et il est déjà... De 6 à 99 ans. Et il est déjà disponible ? Bien sûr. Alors, c'est une Familiz. Il faut savoir que bon, je l'ai auto-édité au départ. J'avais fait 3000 exemplaires du jeu, que j'ai vendu sous un an et demi à peu près, et en faisant les festivals essentiellement, très peu de présence dans les boutiques. Par contre, on a réédité en fait le jeu soit Synchron Games,
cette fois-ci voilà, avec une réelle envie d'être présent un peu partout dans les boutiques. Et on est d'ailleurs distribué en Belgique par l'intermédiaire de Fairplay. Bien, et on continue avec un jeu qui est en série limitée et qui est présenté au Monde du Jeu, sur le salon Le Monde du Jeu, et qui s'appelle Versus. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu Versus, Franck ? Alors Versus, donc, c'est un jeu de Michel Pinon, qui est un auteur passionné, un joueur passionné. Qui a fait les 7 blasons. Qui a fait les 7 blasons, et qui continue à nous surprendre avec ses jeux. Il a sorti Versus. Versus, donc, c'est un jeu de abstrait. Tout en bois, donc on a un plateau en hêtre, on a des pièces en buis, quelque chose de très joli déjà regardé. Et c'est un jeu donc de abstrait d'attraction de pièces. Alors c'est très ingénieux comme système, moi je l'ai vu nulle part ailleurs. Et il est aussi intéressant de voir que, on va dire, il va plaire à des joueurs d'échecs, comme il va plaire aussi aux joueurs lambda qui ont envie d'essayer un petit jeu abstrait. Il fait partie de ces jeux abstraits qui arrivent sur le marché et qui finalement sont abstraits parce qu'il faut bien les mettre dans des cases, mais finalement c'est des jeux faciles. Mais c'est vraiment, pour moi, je vais dire, c'est plutôt un jeu abstrait familial, encore une fois, parce que on s'aperçoit en le faisant des tests, en faisant pas mal de festivals, que le jeu attire un public aussi élargi. Aussi parce que je pense que dans ce jeu, on arrive à faire une partie en 10-15 minutes. Voilà. Alors soit on le prend très au sérieux, on essaie de combiner, on essaie de trouver la stratégie de l'adversaire à 2-3 coups d'avance, on va le jouer comme un jeu d'échecs. Dans ce cas-là, la durée peut varier de, je veux dire, une trentaine de minutes. Par contre, si on le joue très simplement, en essayant simplement d'avancer et de gagner le plus rapidement possible, là, la partie dure 10-15 minutes. Voilà. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Déjà sur le plateau, donc on a un plateau en bois, et puis on a des pièces qui ont l'air un peu spéciales. Oui, alors on a des pièces. Alors on a des pions qui vont avancer d'une case. Alors c'est un plateau avec différentes cases, des cases blanches et des cases marron. On a des pions en fait qui ont une grande particularité, c'est qu'ils sont réversibles. On a d'un côté en fait la couleur du joueur, et de l'autre côté des points à la couleur de l'adversaire. Alors on a un versus, c'est une pièce conique qui peut avancer un peu sur toutes les cases. Et elle a un pouvoir d'attraction, c'est-à-dire que quand on se positionne dans l'alignement d'un pion adverse, le versus va attirer le pion adverse d'une case vers lui et va le retourner. Et dans ce cas-là, le pion devient la couleur du versus qui l'a attiré. Ce qui veut dire que l'adversaire ne pourra plus l'utiliser, sauf si, avec son versus à lui, il se repositionne dans l'axe pour essayer de le récupérer. Donc ça veut dire que le pion qui a changé de couleur, donc il devient le pion de l'adversaire, donc l'adversaire peut le déplacer ? Exactement. Et par contre, le joueur qui a perdu ce pion, le seul moyen, voilà, c'est de replacer le versus dans l'alignement pour essayer de l'attirer à nouveau vers lui et de le retourner à nouveau dans sa couleur. Avec une limitation, c'est que le pion peut être retourné 3 fois. Dans la même lignée, quoi. Exactement, donc il ne peut être retourné que 3 fois de façon continue. La preuve que j'y ai joué. Exactement. Voilà, donc c'est le principe de base, on va dire, du jeu. Alors il y a des petites règles, hein, des petites astuces. Le versus ne peut pas s'arrêter sur certaines cases. Et le but du jeu, c'est de positionner en fait ses pions au maximum sur 4 cases sur le plateau. Une fois que les 4 cases sont prises, la partie s'arrête et on va compter tout simplement les points de sa couleur. Celui qui a le plus de points a gagné. Le jeu est en bois, c'est le premier jeu en bois que vous faites. Ça a dû être un chamboulement dans votre méthode de production. Bah, disons que bon, Versus est en série limitée, donc voilà, un tirage de 300 exemplaires, de beaux exemplaires, numérotés, signés par l'auteur. Donc c'est aussi un essai pour voir un peu si le jeu bois continue à plaire, si cette version-là peut être lancée en plus grande série. Donc pour nous, c'est un test très important en fait. Voilà. Le jeu est présenté pour la première fois au public ici, au Salon du Monde du Jeu ? Alors il a été présenté à Cannes également, il a été présenté au Festival de Parthenay et première fois au Monde du Jeu. Ça, le public accroche. Tout à fait, le jeu apparemment plaît beaucoup. Bien, et on saute hop sur Bobby Sitter. Alors Bobby Sitter, on en a entendu parler sur le net. Et donc voilà, on va enfin voir comment ça fonctionne. Toujours avec Franck. Rebonjour Franck. Alors Bobby Sitter, donc c'est un jeu de Jean-Marc Courtil, illustration de David Revoy. C'est un jeu d'observation et de rapidité. Donc on va dire que c'est un jeu destiné à un public quand même plutôt enfant.
Mais c'est aussi ce qu'on appelle un jeu d'apéro pour les adultes. Hein, on sort facilement un jeu qu'on peut jouer très rapidement, 5-10 minutes, on peut faire une partie, etc. Avant de passer à autre chose, éventuellement à des jeux plus cossus. Alors, on a tout simplement des pions au centre, un mouton et des chiens. Alors, il n'y a qu'un seul mouton, et le nombre de chiens dépend du nombre de joueurs. Donc, c'est un peu le principe de la chaise musicale. Si on a 4 joueurs, il faut 3 chiens sur la table. On imagine un petit peu pourquoi. Alors, on a des cartes qu'on va retourner rapidement. Et en fonction de ce qu'on voit sur les cartes, on va agir ou ne rien faire. S'il y a au moins un mouton en fait sur la carte, le premier qui arrive à prendre le pion mouton au centre de la table gagne un jeton mouton. Le but, c'est d'avoir 5 jetons moutons. Le premier qui arrive gagne la partie. Celui qui n'en a plus est éliminé. Alors, comment perd-on des jetons moutons ? Ben, c'est tout simplement, quand on retourne une carte et qu'on a un loup qui attaque, il faut prendre un chien. Si on est 4, il n'y en a que 3. Donc chaise musicale. Voilà, il y en a forcément qui se retrouve sans rien et dans ce cas-là, il perd un jeton. Et voilà, ok. La possibilité de perdre des jetons quand il y a un loup qui est dans les parages. Alors le loup est très malin, le loup se cache dans le puits, le loup se cache derrière les busquets, le loup se déguise en mouton, donc il faut faire très attention. Parce que là, il ne faut absolument rien faire. Là, il y a par exemple une carte avec un hérisson au milieu. C'est un vrai hérisson. On pourrait croire que c'est le loup et le temps de s'en rendre compte, les pions sont déjà partis. Exactement. Et dans ce cas-là, si on prend le mouton alors qu'il ne fallait pas le faire, on perd un jeton, effectivement. Et ça, comment le public réagit par rapport à ce jeu-là ? Alors, très, très positivement, en fait, hein, puisque c'est un jeu très rapide qu'on apprend en quelques secondes. Donc, c'est très positif. Et pareil, c'est un jeu qui est vraiment destiné à un public très élargi. Là, il est disponible. Et le jeu est disponible, tout à fait. Il est encore tout chaud, là. Vient de sortir de la machine. Bien, eh bien, on va jouer à ça aussi, alors. Merci, Franck. Voilà, et on se retrouve en face d'Olivier Chanry, le directeur du développement d'Asynchron, pour parler des 7 blasons. Donc, les 7 blasons, c'est un jeu de pli et de contre. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, un, effectivement, comme à la belote ou comme au tarot, pour remporter un pli, il va falloir avoir la carte la plus forte. Chaque joueur possède, par contre, le même nombre et les mêmes valeurs de cartes. Ce n'est pas une distribution aléatoire comme au tarot ou comme à la belote. Donc chacun possède 8 cartes qui ont des valeurs qui vont de 1 à 7, avec une particularité pour le malandrin, avec une valeur joker, on va dire. Le malandrin, c'est un des personnages qui est sur les cartes. Exactement. Voilà, donc sur chaque carte figure un personnage. Donc la valeur 1, c'est le manant, valeur 2, le ménestrel, valeur 3, l'intendant, valeur 4, le religieux, valeur 5, le... je sais plus, valeur 6, le bourgeois, et valeur 7, la bourgeoise. Voilà, donc pour faire un pli, eh ben, il faut avoir la valeur la plus forte. Donc ça, c'est très simple. Mais simplement... la levée, c'est-à-dire que le fait de savoir qui va remporter le pli, on va le décomposer en deux temps. Premier temps, chacun va poser sa carte visible sur la table. Donc, chacun pose sa carte visible sur la table. Une fois que tout le monde a posé sa carte, on va jouer les éventuels pouvoirs que les personnages ont ou pas. C'est optionnel de faire jouer ce pouvoir-là ? Non, non, c'est obligatoire. C'est même complètement obligatoire. Donc, le bourgeois, la bourgeoise, le religieux n'ont pas de pouvoir, les autres personnages ont des pouvoirs. Les pouvoirs, c'est ce qui va permettre de manipuler les blasons. Et en fait, le but du jeu, c'est de faire des plis, mais aussi de faire une collection de blasons d'une couleur donnée, autre que la sienne. Voilà. Donc si... oui, c'est un peu compliqué. Donc si je joue les bleus, par exemple, et que je joue avec 3 autres joueurs, il y a un joueur qui joue les jaunes, un joueur qui joue les rouges et un joueur qui joue les verts, eh bien, il va falloir que j'essaie de récupérer des blasons verts ou rouges ou bleus, enfin verts ou rouges ou jaunes, mais surtout que j'essaie d'en récupérer un maximum de la même couleur, parce que ces blasons, visibles d'une couleur donnée, vont venir multiplier la valeur des cartes, des plis que l'on a fait. Voilà. Donc si par exemple j'ai fait 2 plis et que dans ces 2 plis j'ai récupéré un 3 jaune et un 4 jaune, ça me fait 7 points en jaune. Et supposons que j'ai récupéré à la fin du jeu 3 blasons jaunes, eh bien ça va me faire 7 x 3, 21 points. Quand est-ce que le jeu se termine ? Chaque joueur possède 8 cartes, donc il y a 8 plis, donc il y a 8 tours en fait, d'une certaine manière. Ça fait des parties assez rapides ? Ça fait des parties relativement rapides, sachant que en fait, le jeu se joue en 3 manches.
Alors, on peut y jouer initialement, historiquement, on y peut y jouer de 3 à 7. Il se trouve qu'à 7, c'est chaotique. Il se trouve qu'à 5 ou 6... 5, c'est très bien. 6, ça commence à faire un peu beaucoup. Du coup, il y a François Hafner qui a fait les remarques sur son site de pouvoir jouer en équipe. Alors ça, ça marche très très bien. Donc à 6, le mieux, c'est de jouer en équipe. Donc 2x3 ou 3x2. À 4, on peut jouer en doublette, c'est très bien. Et on a mis en place une variante pour y jouer à 2. Donc en vérité, le format historique était de 3 à 7. Le format qui va être mis en place pour une réédition sur laquelle on va travailler sera de 2 à 6. Sachant que cette réédition intégrera un jeu de plateau sur lequel on travaille. Et qu'en fait, là, les blasons sont posés virtuellement devant le joueur. Dans la version plateau, ils seront posés sur des parcelles pour en faire un espèce de petit jeu de conquête. Bien ça, et c'est prévu pour quand ça? Pas de date. Pas de date. Ok, où est-ce qu'on peut trouver sur internet Asynchron et les jeux qu'ils font? Alors, on a mis à jour notre menu il n'y a pas longtemps. Donc maintenant, sur le site asynchron.fr, donc www.asynchron.fr, vous pouvez avoir accès à notre univers NetVibe, à un blog, à notre forum, et puis à l'ensemble des rubriques qui parlent des produits Asynchron Games. Sachant que pour la plupart de nos jeux, même pour tous nos jeux, on a des mini-sites qui sont dédiés. Donc pour les 7 blasons, on a les 7 blasons .info, etc. Ouais, Versus, on a la Versus.net, enfin voilà, tous les jeux ont des sites. Et ben, merci beaucoup, merci d'avoir expliqué tous ces bons jeux. Et, et puisqu'on est dans la partie publicité, donc n'hésitez pas à venir découvrir Versus, puisqu'on peut jouer gratuitement à Versus en ligne. De la même manière, on peut jouer aussi à Compte et Conquête en ligne gratuitement, c'est une version bêta d'un jeu de stratégie en tour par tour. Ah, bah, il va falloir aller là alors. Merci Olivier. Merci. Et à très bientôt.